Bah, je vais te tuer avec ma petite cuillère en plastique parce que tu m'as volé mon sac de course. Bref, je suis une grosse dame toute ridée à gauche qui tient une cuillère en plastique dans ma main et on se retrouve aujourd'hui pour Happy Wheels. Ça fait très longtemps, voire même la première fois, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur ce jeu sur ma chaîne secondaire, mais c'est la première fois que j'en fais une sur ma chaîne principale. C'est génial, ce jeu est génialissime. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué, je me souviens plus des touches, on va voir ça en jeu. J'ai même pas testé avant, je sais vraiment pas si je vais m'y remettre ou pas. Voilà, je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo sur ce jeu parce que je le trouvais drôle, comme je vous l'ai dit, j'ai plein d'idées de recommencer les trucs nouveaux et tout. Donc la petite précision que je fais au début d'épisode, c'est que ça c'est la première vidéo que je tourne depuis que je suis revenu de vacances, même si vous en avez eu 5 depuis, parce que oui j'étais parti en vacances, c'est pour ça que pendant une semaine vous aviez pas eu de vidéo, mais la semaine d'avant vous en avez eu, alors que là aussi j'étais en vacances, en fait j'avais 2 semaines de vacances, mais j'avais tourné des vidéos avant, enfin bref, c'est assez compliqué, je vais pas vous expliquer ça maintenant dans cette vidéo, parce que je pense que tout le monde va pas la regarder, parce que même si voilà, ça peut être bien rigolo, j'espère que le maximum de gens la regarderont, et n'hésitez pas d'ailleurs à partager directement. Mais voilà, j'imagine que si je dois parler de trucs plus importants et être sûr que le maximum de gens l'entendent, je le dirai sûrement dans A New Millionaire. Je pense qu'il y a plus de gens qui regarderont mon aventure suivie préférée par rapport à des vidéos comme ça de ce genre qui sont inédites et qui sortent de l'ordinaire. Donc bref, je dirai rien pour l'instant, à part que j'ai passé 2 semaines de vacances merveilleuses. Je reviens avec plein d'idées et entre autres, Happy Wheels. Allez, play. Alors, j'ai aucune idée parce que les niveaux, ils ont tous changé. Hop, il y en a des niveaux, enfin des nouveaux à chaque fois. Tiens, comment on change déjà des trucs comme ça? Bon, on va faire celui-là, le premier, un Prehistoric Pilgrim par MG Martinek, noté 4,5 sur 5, ce qui en général est bien. Il a été joué 31 millions de fois, donc bon, j'imagine que c'est pas mal. Et je peux jouer seulement avec un seul personnage. Ok, on va bien voir. Donc pour ceux qui connaissent pas, Happy Wheels c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de le payer. Vous allez juste sur totaljerkface.com. Ou pire, vous allez juste voir dans la description. Je vous ai mis le lien et vous pouvez jouer autant que vous voulez. I'm sorry, Burzy. On peut rien faire, c'est pas grave. Allez, go. On y va, on y va, on y va, on y va. Il y a une route ici, j'aime pas ça. Pff, oh, il y a Keep Out. Style Purple, ok. Donc voilà, c'est un jeu super rigolo. Le but, c'est un peu du parcours, quoi, si vous voulez. Mais ah, si, il me semble que j'ai déjà fait il y a très longtemps celui-là. Donc c'est pas exactement le même. Bon, voilà, il y a des niveaux qui sont bien. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est ça, surtout un des gros trucs de ce jeu, c'est que vous perdez des membres au fur et à mesure que vous prenez des dégâts. Alors, ce bonhomme, je le déteste. Pourquoi déjà il est en pyjama sur un Segway? Moi, je trouve ça ridicule. Et avec un casque en plus, normal, quoi. Ouh, allez, les trucs nucléaires, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que ce niveau sera bien parce qu'il y en a des biens, il y en a des moins biens. Oula, je le sens pas bon ça. C'est quoi ça? Un bouton rouge. Je le sens pas bon, 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 je le sens pas bon. Ah non, c'est une machine à remonter le temps, j'imagine. C'est pour ça, ça expliquerait le Prehistoric. Oh, oula, un crâne de squelette, du vide, du n'importe quoi. Oh, ma tête. Oh non. Ça, c'est pas cool. Et voilà, je me suis arrêté dans le ciel. Comment on refait? Échappe normalement et R pour restart level, il me semble. Ouais, si, c'est ça. Hop, allez, on est reparti. Là, il y a le panneau, je passe par-dessus, je me mange la porte. On s'en fiche. On rentre dans le labo. On est des fous. Inertial Cisco. Bon, j'ai la flemme de lire tous les trucs qu'il y a. Allez, je me fais bloquer par les trucs d'alchimie, là. Oh, je passe par-dessus, par-dessus. Bon, j'aimerais bien aller au truc de la préhistoire, parce que, à mon avis, ça va être le truc le plus intéressant. Donc, il faudrait que j'évite de mourir avant. Allez, normalement, je suis bon, là. Boum. Allez, hop. Le bouton, ça charge, Oh, la grosse animation en mode ultime. Oh, j'espère que j'ai rien à esquiver, je veux pas mourir s'il vous plaît, évitez de me casser la tête cette fois. Ça m'a l'air d'être bon. Oh, sur l'arbre, sur l'arbre, sur la liane, hop, sur le rocher, on passe, il y a des pauvres dinosaures qui sont fait charcuter. Merde, j'ai coincé dans le ventre. Oh, bah c'est la préhistoire, écoutez. Oh, c'est qui lui? Bonjour, merci de m'avoir trouvé. Oh, le pauvre. Miam miam. Bon, on s'en fout. Allez, on continue. Oh, c'était quoi ça? Il y a un oiseau qui vole. On avance, on avance, on avance. Je sens que je vais me prendre un truc dans la tête. Ça va être merveilleux. Il y a rien, il y a rien, toujours rien. Un œuf. Oh, je le sens pas bon ça. Oh non 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 non. Cours cours en arrière, en arrière, en arrière. Il faut que je... Il me poursuit là ou pas? Oui, il me poursuit. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je passe, je saute dessus. Yo, c'est la meilleure solution. Non. Ah oui, si, il faut que je me mette là, à l'abri. Merde, il faut que je recule jusqu'où? Là, dans la caverne de la faille, je sens bien de l'eau. Oh, j'aime pas l'eau. Merde. Oh, ici, la caverne. Oh putain, ce niveau est vraiment bien.
Il me semble que j'avais déjà fait, mais pas jusqu'au bout. Et si j'arrive du pro. Enfin, deuxième coup jusqu'ici, pas mal. Land air, donc atterrisser ici. Ok, aïe. Je suis dans l'eau, je remonte. À fond, 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 à fond. Et là, ils mettent 2 eject S, then immediately hold up. Donc, Z, c'est pour s'éjecter du truc et ensuite maintenir le truc debout. Grab air. Ok, c'est bon. Tree ça top style. Oh mon dieu! Oh, énorme! Oh, je vais repasser de l'autre côté. Allez, là on est censé se téléporter, je sais pas. Ah, ok, non, j'avance avec le tyrannosaure. Oh my god! Oh, c'est lui qui le fait? Ou c'est moi? Non, c'est moi qui le contrôle. Je contrôle le tyrannosaure. Oh, énorme! Allez, cours! Crétin! Victoire! Magnifique, il était génial! C'est trop rire le triceratops avec la tête sur la corne. Ah, c'est magnifique! Alors, je ne sais absolument pas. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de descendre, ça a descendu. Voilà toute ma page web, du coup, ça vous a détruit l'écran, je suis désolé. Comment on descend? C'est pas les flèches. Non, c'est là, faut juste suivre avec la souris. Okay. Ah, celle-là, je l'avais déjà faite, il me semble. Elle est... De souvenir, elle est bien. De souvenir. Ah oui, si, c'est ça. Oh, si, elle est énorme, celle-là. Bienvenue, votre but est de survivre. Youhou. Oh, j'ai le gamin à l'arrière. Alors là, oh, shit, il va prendre cher. Alors là, des couteaux de boucher qui s'accrochent à moi. Là, il y a une hache qui roule, je le sens. Non, je le sens pas bon. Il y en a un qui s'est accroché, non, c'est bon. La hache en haut, je le sens pas bon. La grosse bouboule qu'il faut esquiver. L'arbalète. Ouh. Le truc de glace, faut faire super gaffe. Oh, alors, l'arpon, il me fait toujours super. Ouch. Oh, je passe, easy. Là, je le sens pas bon du tout. C'est bon. Je gère. Oh, zut. Oh mon dieu, c'était magnifique. Je l'ai réussi de façon sublime. Mais écoutez, c'était très rigolo. Mais j'ai envie de mourir parce que c'est pas juste, je suis pas mort une seule fois. Et j'ai un gamin à l'arrière qu'il faut que je jette. Ah bah zut, voilà. Bon bah il fallait que ça soit ensanglanté à un moment ou un autre. Alors comment on enlève le petit? Parce que Z, je sais que c'est pour enlever les deux en fait. Parce que là vous voyez, il y a le grand-père, je contrôle juste le... Enfin le grand-père, le papa, mais je contrôle pas le gamin. Le gamin ne sert strictement à rien si ce n'est à décorer. Et il me semble que je peux l'enlever. Alors c'est pas W ou une bêtise dans le genre, non. Parce que Z, ça nous enlève tous nous deux. Il doit avoir un bouton. Allez, là, hop, la hache. Là, j'esquive la boule, je le sens pas bon, la boule. Ouh, ça va me revenir dans ma gueule, ça. Aïe. Allez, tirez sur le gamin. Laissez-moi en vie. Wouh, un petit salto arrière. Ah, bah voilà, il est... Oh non, où est sa tête? Ah, bah sa tête est là. Oh, zut, alors. Bon, là, je le sens pas bon, la vitre. Non, c'est bon. La vitre, il faut passer vite, sinon elle se casse sous vos pieds. Wouh, un petit salto. Allez, pour le... Aïe. Oh non. Allez, on le refait. Tiens, le gamin, je vais le faire embrocher là. Wouhou, petit salto arrière. Oh non. Oh, regardez. Bon, là, je me suis fait couper la tête, j'ai matré le bord. Et regardez, plutôt de boucher, il s'accroche au type, il va exploser. Oh, c'est génialissime. Ce jeu est épique. Bon. Allez, on continue. Yo, yop. Je le sens pas bon ce niveau, je le sens pas bon. Allez, j'ai déjà passé, y'a pas de. J'ai explosé. Bon bref, on va quitter ici pour ce niveau là. J'ai clairement explosé. Alors Pokémon Training. Alors là je fais clairement ce que je connais un petit peu quand j'ai joué. Tu vois, il y a des noms qui me disent quelque chose. Si cette vidéo vous plaît, j'en referai sûrement. Tiens, ils ont rajouté un nouveau perso. Ah ouais. I chose you. Oh, il y a Sacha qui a dit qu'il me choisissait moi. Oh, il y a 3 personnes, ça veut dire plus de morts. Oh non, Pikachu. Non, pas Pikachu. Non, ça sent pas bon ça. Et merde. Bonjour Pika. En deux. Thunderbolt. Wouhou. Oh non. Ah bah ok, bah c'est bon, bah je me retrouve déjà tout seul. Pic. Machopper. Oh mon dieu, il a fait très très mal. Oh, je suis en train d'écraser la tête de mon petit enfant. Alors c'est quoi ça? Jigglypuff, c'est quoi déjà? Ah non, faut que je recule là à mon avis. Oh oui, rondoudou. Oh shit. Ah mais non, je suis en train de mourir. Ça va exploser. 3, 2, 1. Oh mon dieu, c'est n'importe quoi. Bon, en fait, ce personnage n'est pas très utile. Attends, je vais détruire le bonhomme qui est là-haut. Là. Oh zut, je le sens pas mon. Non, non. Aïe. Bon, écoutez, on va changer de bonhomme. Ça va être plus.
plus simple. Celui-là, il est énorme. Bon, attention, je risque pas d'y arriver. Mais... Friend. Bon, okay, bon, je suis déjà mort. Non. Bon, d'accord, je suis fini. Voilà, c'est fini. Je suis pas allé bien loin. Bon, c'est pas grave. Allez, on va en prendre un histoire de finir. Le gros sur sa tondeuse. Lui, il est épique. Alors, il faut que je reste là, de souvenir. Il faut que j'aille jusqu'à là, que je reste là. Aïe, je sens pas bon. C'est bon, vas-y. Alors, non, ça c'est faux. Bah voilà, c'est pas malin. Alors, en fait, ce qui est génial avec la tondeuse, c'est que du coup, la tondeuse, voilà, vous voyez, il y a un bras juste devant mon véhicule. Bah, le bras, bah voilà, il est foutu. Alors, vite que je recule. Parce qu'il y a un rondoudou, sinon, qui va me faire mal. Bon, j'ai plus de bras, mais écoutez, j'arrive quand même à contrôler ma tondeuse. Vite. 2. Non, on part en bas. Oh mon dieu, oh la tondeuse, je sens qu'elle va me faire mal en plus, non? Ah merde, bon. On est reparti, il faut que je le finisse ce niveau, je le finis. Allez, jusqu'à là. Allez, faites en éclair là. Oh, ah zut, ah bah je suis coincé, d'accord. Non, allez, oh c'est l'hiver, regardez ça c'est pas du skill. Allez, bon, oh, yeah. Une fontaine de sang. Allez, faut que je fasse gaffe à ça. Bonjour monsieur. Ils éclatent, c'est pas grave. Bon, oh. Allez, hop. Là, il faut que je fasse gaffe à lui. Oh. Il était déjà sorti. Bon. Hop. Là. Donc là, il faut que je fasse gaffe. Allez. 3, 2, 1. C'est bon, j'ai réussi à passer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a du sang absolument partout. Vous pouvez choisir dans les options de mettre plus de sang ou moins de sang. Enfin, plus, parce que sinon, c'est pas drôle. Je suis coincé. Oh, c'est mon bras. Voilà. J'ai mon bras sur le capot. C'est super rassurant. Allez, je suis coincé. Si seulement je pouvais. Allez. Allez, là, peut-être. Là. Oh, je suis coincé. Bon, allez. C'est pitoyable. On recommence. Je vais y arriver. Allez. Recule. Wow. Je sens pas mon... Ah, d'accord. Excusez-moi. Ça c'est du complètement fail. Allez, je roule. Je m'arrête. Allez, avance, espèce de gros lard. Ouh, yeah. Oh la fontaine. C'est quoi? Un enfant, je fasse gaffe. Je viens de me faire décapiter par Machopper. Je viens de me prendre un membre de démembré dans la tête. Allez, jusqu'ici. Hop, faut que j'avance. Voilà, allez, Pikachu on connaît, tout le monde le connaît celui-là. Hop. Et allez, run. Tire, c'était un homme. Aïe. Balance des membres. Oh, regardez. Voilà, dans ma tondeuse ça passe. J'espère que vous avez le son parce que le son est merveilleux. Recule. C'est pas passé loin, j'ai eu très peur. J'aurais juste éclaté en mille morceaux. Mais... Oh, je crois que j'ai la jambe qui est un petit peu cassée. Allez, saute. Yo. Run. C'est pas passé loin. Dommage. Ah, zut. Ça m'énerve. Bon, I chose you, Pikachu. Allez. Voilà. Je commence à connaître, là. Allez, j'aimerais bien voir la fin. En plus, je suis sûr que je suis pas loin, cette fois. Vraiment, faudrait que je prenne un autre perso. Qui sera plus mobile. Aïe. Allez, passez sous moi, bande de membres. Oh, j'ai un bras de quelqu'un. Un bras ou une jambe, peut-être, sur mon capot. C'est bon. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent, comme on dit. Allez, on se barre. Hop. Oh, rondoudou. Quelle tête de quoi. Bon. Alors là, en fait, c'est ce passage-là qui est difficile avec la tondeuse. Parce que du coup, les membres. Oh, j'ai pris très cher là aussi. Bon, on va changer de bonhomme. On va en prendre un autre. Celui-là qui est complètement épique. Ouais, celui-là, il est complètement épique. Il est facile à jouer, mais il est très drôle. Allez, donc c'est le papa avec son petit fiston. Vas-y, fiston, on y va. On va détruire Pikachu et sa bande. Alors, il me semble que normalement je suis pas coincé. Voilà, dans ce tuyau. Oh, bah j'ai laissé le gamin. Bon, bah, c'est pas grave. Là, il faut que je fasse gaffe. Allez, hop, roue arrière. Trop de skill. Yo. Voilà. En fait, je me mets juste comme ça pour éviter que les membres me coupent la tête ou un bras. Allez, hop, si je pouvais réussir à passer. Voilà, merci.
Alors là, il faut que je fasse gaffe. Hop, contre le mur, on recule à fond. Wow, ce que j'adore avec ce mec, c'est que c'est le seul gars que je connais au monde qui a un vélo qui lui permet de faire marche arrière, en fait. C'est vrai. Je déteste ce bonhomme. C'est abusé, j'arrête pas d'exploser ici. Ah, c'est chiant. Bon. La grosse dans son caddie, elle est pas mal non plus. Bon, vas-y, va pour la grosse dans son caddie. Je vais essayer de finir encore quelques essais et j'arrêterai parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Du coup, si. Ou alors je fais en plusieurs parties parce que j'ai pas envie d'arrêter maintenant. Yo, allez, on s'en va. Wouh! Aïe! Si je meurs ici, c'est vraiment pas de bol. C'est ridicule! Allez, 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 vas-y, mémé, tu peux le faire, tu peux le faire! Allez, merde, je sens que ma tête va éclater si je continue à faire ça. Blop, blop. Ah c'est marrant en fait, excusez-moi mais j'ai mon casque sur la tête qui rend pas mal le son du jeu. Et donc en fait je viens de me rendre compte que le... Que la machine fait... Ah bah voilà c'était obligé, je me suis coupé la tête. Que la machine fait du bruit du coup quand on avance. Quand on appuie genre sur avant ou arrière ça fait un petit bruit, enfin on entend le moteur électrique en fait. Ah voilà donc ça c'est j'espère la chose qu'on verra jamais en France, c'est-à-dire les caddies électriques dans les magasins pour les gros qui sont même pas foutus de marcher. Voilà, j'espère qu'on verra jamais ça en France honnêtement parce que... C'est dégueulasse et c'est la décadence humaine la plus incroyable. Espèce de gros. Bon, c'est un jeu, je pense, fait par des Américains parce qu'ils sont tous fat dans ce jeu presque. Il y a plein de gros. En même temps, c'est plus rigolo parce que du coup, ça fait plus de sang, plus de membres et tout qui s'en vont. Hop, allez, là normalement, je peux passer easy. Je peux passer easy. Oui, je suis passé. Bon, j'ai laissé un bras. Enfin, les deux même. Mais c'est, bon, c'est pas trop grave. C'est un dommage collatéral. Hop, allez, on continue. C'était quoi déjà ici? Qu'est-ce que c'était déjà ici? Je le sens pas bon. C'est la fin? Ah non! Ah oui, il y a plus de bière. D'accord. Final Showdown! Et je sens qu'il y a encore un truc méchant au bout. Oh, je le sens pas bon du tout là non plus. Psycho Power. Ah non, je le sens pas bon. Recule, 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 recule! Oh, zut alors. Bon, allez, si j'arrive à atteindre la ligne d'arrivée en mode cadavre, ça le fait. I wanna be the very best. C'est Pokémon, je suis sûr. Like, bah zut, bon allez, c'est pas grave. On arrête là, on va juste faire un dernier petit truc. Et puis on se quittera là-dessus. Alors, parce que je suis obligé de le faire, je pense que je serai obligé de le faire à chaque fois. Ah voilà, the best ever quoi. Balcony Terror, mes amis, c'est juste le meilleur que vous ayez jamais imaginé. Vous prenez le Père Noël, vous êtes ici et vous faites oh oh oh. Et là, vous détruisez ce mec-là et vous tombez. Oh, ça c'est le bruit. Oh, je suis coincé. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous foutez dans ma carriole? Je suis le Père Noël, barrez-vous. Voilà, j'éclate juste en mille morceaux, c'est énormissime. Allez, je me barre, je veux arriver en bas. Donc en fait, il n'y a pas d'objectif dans ce niveau. L'objectif, c'est juste avoir le plus gros bain de sang possible. Vous commencez du haut de l'immeuble et puis bah vous essayez d'atteindre le bas de... Tous les moyens possibles et imaginables, je suis coincé. Donc on va changer de personnage, on va juste prendre. Ça voilà, celui-là, j'ai trop envie de le tester. Attendez, trois bonhommes, ça va faire une explosion gigantesque. Wouhou! En fait, le dernier est rigolo. Déjà parce qu'il peut voler un petit peu. Oh, j'ai déjà fait un bonhomme. Et surtout parce qu'il y a des reines à l'avant qui sont en fait des personnages. Ah oui, shit. Et qui du coup sont bien marrants à jouer. Alors l'écran se centre toujours sur le cœur. Alors le cœur doit être dans ce tas de viande qu'il y a en bas. Bon attendez, je fais une dernière fois, il n'y a pas de raison. Allez, tout le monde se barre. Ouais, c'est le grand plongeon. Oh regardez, bonjour monsieur, ça va bien? Ça va bien? Allez, venez avec moi. Ah, regarde, regarde. En fait, quand vous faites Z, enfin vous savez, vous quittez votre véhicule. Ensuite, si vous appuyez sur espace, vous agrippez aux choses. Alors là, j'essaie de prendre le monsieur et voilà, de le balancer avec moi. Allez, casse-toi bonhomme. Allez, allez, vas-y, là je peux plus m'accrocher à rien, une fois que j'ai plus de bras ça va être difficile. Voilà, j'ai atteint le bas, je suis fier de moi, pour rien, les morceaux de jambes qui tombent, c'est génialissime. Bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus, les amis. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est vraiment un carnage ce jeu, c'est excellent. Si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à le préciser, commentaire, un petit j'aime, ça me fait super plaisir, surtout quand je tombe de nouvelles vidéos comme ça, si vous mettez un j'aime, ça fait vraiment plaisir, parce que ça indique que voilà, vous aimez bien de nouvelles choses et que vous aimez bien ce que je vous présente. Si vous voulez que j'en refasse, donc n'hésitez pas à le dire, ou même si vous avez d'autres propositions de jeux, de préférence gratuits sur internet comme ça, juste pour vous faire découvrir, ça peut être super sympa. Là-dessus les amis, j'espère que ça vous a plu et je vous dis salut et à la prochaine, bye tout le monde.